Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je suis super contente de vous retrouver pour vous faire un haul. J'étais faire mes fournitures, mais comme je rentre en première, j'avais pas forcément de fournitures de ouf à racheter. Donc je vous ferai pas de haul fourniture back to school, parce que c'est pour vous montrer des stylos et des cahiers quoi. Il y a plus intéressant. Donc. Alors tout d'abord, quand je suis partie en colo, on a fait les magasins en Espagne. Ouais, on a fait plus les magasins en Espagne qu'à Majorque. Je ne comptais pas du tout repartir avec une paire de chaussures. Vu l'état de ma valise, vu comme elle était déjà blindée, je me suis dit voilà, faut abuser. Le coup de cœur que j'ai eu pour cette paire de chaussures et le prix qui était annoncé, je me suis dit tu vas le regretter, donc prends-la. Donc c'est une paire de chaussures que vous avez déjà dû voir soit sur Snapchat, donc n'hésitez pas à me suivre sur Snapchat, soit sur Instagram, c'est possible. Enfin, c'est un style de chaussures qu'on voit partout, hein, franchement. Avant il y avait peu de personnes qui portaient ce genre de chaussures, mais maintenant on voit ça partout. C'est un style de chaussures particulier, donc ça ne s'associe pas avec tout. Si je les retrouve sur le site de Bershka, je vous les mettrai en barre d'infos. Enfin, je vous mettrai tous les liens en barre d'infos si j'y retrouve. Et du coup elles étaient à 25 euros et elles étaient soldées à 8 euros, enfin 7 euros et quelques. Donc comment vous dire que ça valait vachement le coup. Donc, ensuite de Romwe, alors en fait ça fait un petit bout de temps que je suis en partenariat à long terme avec Shein et Romwe, et tout le temps j'essaye des vêtements. Je me suis dit on va peut-être essayer autre chose. Elles sont comme ceci, pareil, vous avez déjà dû les voir soit sur Snapchat, soit sur Instagram, soit dans ma dernière vidéo vlog de Bordeaux. Des petites baskets noires, mais la particularité c'est que c'est des chaussures à scratch et que sur les scratch vous avez des voilà, des petites comment appeler ça, des petits strass, et elles sont vraiment super belles. J'ai pris ma taille normale, donc c'est-à-dire du 38, elles me vont parfaitement. Donc voilà, je suis très contente. Elles sentent un peu le faux cuir, mais ça va quoi, c'est pas... Donc sur Undies, il y a un petit bouton sur vente privée ou sur showroom privé, je sais plus, enfin sur un des deux. C'était tout à moins 70%, donc j'ai pris des sous-vêtements. J'ai pris aussi des... J'aime beaucoup ce qu'ils proposent en termes de... Genre vêtements détente, on va dire. Ceux aussi en fait qui étaient genre vraiment pas du tout chers. Donc c'est un petit haut noir tout simple qui se met sur les épaules avec des petits volants. Il est court donc on voit votre ventre. Et le pantalon, enfin j'ai pris un genre de leggings comme ça. Voilà, tout simple. J'aime beaucoup les imprimés. Il est rose et noir donc avec des imprimés comme ça. Et il est resserré. Et j'ai repris un pantalon parce que j'adore leur pantalon, voilà. Donc c'est un pantalon comme ça. Et je crois que Léa de Macolo a le même, si je me trompe pas, parce qu'en fait je voulais en prendre un mais il n'y avait plus ma taille. Du coup je me suis dit je vais pas commander juste pour une culotte. Du coup je me suis dit je vais prendre un pantalon, et celui-ci je l'aimais trop. Pendant les soldes j'étais à Pinky, mais j'ai pas fait des trucs de ouf, hein, franchement. J'ai trouvé quelques t-shirts, mais bon voilà. Ce t-shirt là il était à moins 50%, je crois, je me souviendrai plus, pardon. Hein. Donc voilà, c'est un t-shirt blanc tout simple. Et ce que j'ai beaucoup aimé c'est qu'il y a de la morceau de dentelle sur le tissu, donc je sais qu'il n'y a pas tout le monde qui aime ce genre de choses. Ensuite il y a ce petit haut là que vous avez vu pas mal de fois dans des vidéos, je crois que je le porte assez souvent en ce moment, mais j'aime beaucoup. Il est très très beau, il est très léger, hyper agréable à porter. Ensuite il y a ce petit haut là que j'ai pris chez Pinky, voilà, il devait être très bien soldé aussi, sinon je ne l'aurais pas acheté. En fait colo il y a une marque là. Alors là ils vont me dire c'est du fond de teint, je prends pas de fond de teint donc ça va être compliqué. Et ensuite nous avons ce petit haut jaune que j'aime de ouf, de ouf, de ouf. Il était en plusieurs coloris, je sais, mais bon moi j'aime trop les couleurs comme ça en ce moment. Donc en fait c'est un haut court, hein, il arrive au-dessus de votre nombril, donc concrètement on voit presque tout vos ventres. Quand j'étais en Espagne, j'étais à Pull&Bear, parce que Pull&Bear j'y vais jamais. Mais vraiment, en plus il n'y en a pas, clairement quoi, donc j'y vais vraiment rarement. Et là il y avait des bons soldes, vraiment c'était très bien soldé. Donc j'ai acheté ce petit haut blanc, vraiment que vous allez voir, même, c'est-à-dire, donc c'est en S, il est près du corps, il est assez transparent, mais vous mettrez soit en soutien-gorge blanc, soit en couleur chair, hein. Moi je le mets avec un blanc et ça passe très bien. J'ai beaucoup aimé, c'est les manches, donc c'était des manches comme ça, mais il est un peu taché là, donc il faut que je le mette au sale, mais voilà, des manches comme ça, et j'aime beaucoup, vraiment, vraiment. Et j'ai dû le payer 3 euros et quelques, je crois. À Jennifer, il y a ce aussi, que petit haut là, que vraiment j'ai eu un coup de cœur dessus. J'aime beaucoup aimer les motifs, en fait, voilà. Et la matière aussi, et genre tout est en élastique sur ce t-shirt. Et c'est du L, il restait que du L, et je me suis dit, quand j'ai vu le t-shirt, je me suis dit, bah du L, on dirait pas. Donc je sais pas ce qu'aurait donné du S ou du XS, hein, vraiment. Ensuite, sur Shein, j'ai commandé deux articles. Que j'aime beaucoup beaucoup beaucoup. Ceux aussi
qui est tout transparent, donc c'est un peu la mode en ce moment. Vous avez des petits détails de fleurs, une robe salopette en fait, et ça fait un petit bout de temps que je voulais m'en acheter une. Et donc j'ai vu celle-ci sur Shein et j'ai beaucoup aimé. Elle est pas trop court et c'est ça que j'aime bien. Elle est super légère et elle est pas trop échancrée, donc on peut mettre un haut court, genre une brassière. On verra pas votre ventre, donc c'est ça que j'aime beaucoup. La commande que j'ai reçue de chez Bershka, c'est un jean, parce qu'en fait j'ai fait tri dans mes jeans. Donc d'ailleurs n'hésitez pas à aller m'ajouter sur Vinted et à peut-être faire des petits achats sur mon compte. Donc je savais que les jeans de chez Bershka étaient de très bonne qualité, et les jeans Bershka Zara c'est les meilleurs pour moi. Enfin voilà, moi ils s'adaptent très bien à mes jambes. Je l'ai payé 17 euros je crois. J'étais à Bordeaux, on était faire les magasins et je voulais me racheter un pantalon souple, enfin un pantalon à pince. Donc j'ai trouvé celui-ci qui est jaune moutarde. Voilà, donc Zara très bonne qualité, tissu super fin. Et genre j'ai vu ce jogging, enfin en fait c'est un pantalon à pince jogging en fait. Vous voyez, genre moi je le porte pas en jogging, je le porte genre hyper classe, mais il est super confortable. Je l'ai pris en S, XS, et il est un peu taille haute et il est vraiment super confortable, il taille super bien, 17 euros je crois. Et je trouve que Jennifer, ils font de plus en plus des beaux articles, donc je suis contente. Le chez Ramouille, j'ai reçu cette petite pochette, genre j'aime beaucoup trop, donc voilà. Ensuite du petit lunettier, j'ai beaucoup aimé les paires de lunettes qu'ils proposaient, parce que ça changeait un peu de toutes les autres qu'on pouvait voir. Quand je les ai vues, je me suis dit, oh my god, elles sont pour moi. C'est de la très bonne qualité en plus. Donc j'en suis super contente, vraiment je vous y conseille. J'ai un code promo, voilà tout simplement. Je vous le mettrai en barre d'infos si ça vous intéresse. Voilà, vous avez moins 10% sur l'ensemble du site. Vous le savez, j'aime beaucoup les bougies à vous proposer, surtout celles avec des bijoux, genre celle-ci, je trouve c'est les meilleures inventions. Jolly Candle, et ça sent super bon, genre c'est vraiment... voilà, c'est un pendentif avec un petit strass vraiment tout fin, vraiment genre j'aime trop. Quand j'étais à Bordeaux, j'étais dans une zone commerciale, il y avait un The Body Shop, ce produit là, mais allez l'acheter. J'enlève aussi les points noirs etc, je crois, bon, moi j'ai pas énormément de points noirs donc ça va, mais au niveau des boutons c'est top, vraiment des petites gouttes, et du coup ça dure hyper vraiment, enfin ça dure super longtemps quoi, c'est complètement rentable par rapport au prix, donc voilà, moi je vous conseille à 10 000%. J'ai reçu deux nouveautés de chez Kiko, j'adore Kiko vraiment, genre c'est l'une des boutiques que j'adore pour leur vernis, leurs produits maquillage un peu moins, mais ils font toujours des très bons produits, niveau rapport qualité prix ça a toujours été parfait pour moi, par le mascara que j'ai reçu, parce que vous savez que j'adore les mascaras. Voilà, packaging toujours assez simple, c'est du Kiko quoi. Donc c'est une brosse comme ça, donc la brosse est super souple, donc ça c'est cool si on veut bien travailler son mascara. Franchement ça va, ça fait des beaux cils, mais j'en suis pas fan quoi, je m'attendais pas à un truc de ouf. Et ensuite, donc toujours, vous me connaissez, je suis une fan des rouges à lèvres, je me suis dit je vais tester leur nouveau rouge à lèvres liquide. Ils sont comme ça, donc j'aime pas, j'aime beaucoup son packaging à lui, et j'ai pas du tout aimé, donc je ne sais pas quoi en faire. Vraiment genre j'ai pas du tout, mais pas du tout aimé, c'est pas eu, enfin c'est pas... faut mettre 10 000 couches, c'est pas mat, j'aime pas. Du coup le brillant lèvres quand on le met tout seul, ça fait du super belles lèvres, voilà c'est tout ce que j'avais à dire. Ensuite c'est un parfum que j'ai reçu de chez Givenchy, j'ai beaucoup aimé leur packaging, ils sentent très très bon, et genre là pour l'été ça a été parfait. Je n'aurais jamais cru tester ça dans ma vie un jour, mais tout ce qui était truc que tu mets dans la bouche avec la lumière, ça je trouvais ça un peu chelou, avec la poudre de charbon. Donc vous savez, vous lavez les dents pendant 2-3 minutes avec la poudre de charbon, vous rincez la bouche, ça ne remplace pas votre dentifrice par contre. Après il faut se relaver les dents avec vos dentifrices normales, et voilà, vous y faites une fois par jour à peu près. J'ai hâte de voir par la suite, j'ai un code promo donc pour vous puissiez le commander. Je sais qu'ils ont aussi étendu leur gamme, c'est... ce truc là, c'est le recourbe cils. Comment vous dire que pour moi c'est un peu un truc qui me faisait peur concrètement. Qui est le Elite, parce qu'il coûte pas si cher que ça, et je me suis dit au moins comme ça si j'aime pas ou si ça fait aucun effet, j'aurais pas mis 10€ dedans. Il recourbe, franchement il recourbe les cils, pas un truc de ouf, hein, attendez pas à vous avoir un effet faux cils. Voilà, bon c'est pas indispensable quoi. J'ai reçu ma Birchbox, donc celle-ci j'étais vraiment trop contente de recevoir, c'est celle du mois d'août.
J'ai déjà reçu celle du mois de juin et du mois de juillet et j'ai adoré leurs produits, j'adore les concepts des box. Je vais pas vous faire un contenu détaillé, voilà, je vous ai déjà fait une vidéo consacrée sur la Birchbox si vous voulez la voir. Mais si. J'ai hâte de voir du coup le mois de septembre puisque j'adore découvrir ces produits et ça reste des petits échantillons, du coup c'est cool à utiliser. J'ai aussi acheté ce petit bandana là, j'allais l'oublier hein, franchement, mais quand je me vois dans le retour caméra je me dis j'ai oublié un truc. J'ai acheté à Réserve Naturelle pour genre 1€ je crois, il était en soldé, il était vraiment trop beau. J'ai oublié de vous présenter ces trucs, donc là on se retrouve limite une semaine après. J'ai essayé de vous mettre le même bandeau, le même débardeur, j'ai pas le même rouge à lèvres je crois. J'ai été me racheter le débardeur et les leggings, juste un parce que les anciens qui me vont, enfin que j'avais acheté l'année dernière qui me vont, mais comme j'ai dû prendre 2-3 kilos durant les mois où je n'ai pas fait de sport et durant surtout ces vacances là, j'ai pris un leggings tout simple avec le logo Nike, voilà, dans une matière un peu coton. Il était en promo donc j'étais à Intersport terminé. J'ai pris un petit débardeur Adidas tout simple comme ça, noir et rose, aussi en promo. Donc voilà, ça fait un ensemble à 30€, un bail comme ça. Donc ça va, c'est plutôt raisonnable. Je conseille d'aller à Intersport, surtout là, l'approche de la rentrée. Je me suis commandé un truc sur Azos, c'est un t-shirt Adidas rouge. J'ai reçu en XL, alors que je croyais que c'était moi qui l'avais commandé XL. Des fois, on peut se tromper. Pas du tout. C'est moi qui l'ai bien commandé en 36 et j'ai reçu du XL. Le t-shirt coûte quand même 30€ et la livraison était gratuite, mais voilà, 30€ c'est quand même pas rien. Je recommande en 36 et là, vraiment, ils ont pas intérêt de se tromper parce que là, vraiment, c'est du foutage de gueule, mais complet. Un petit bon plan, vous savez, je vous ai fait une vidéo sur mes sneakers que je voudrais avoir, etc. Et je vous ai fait part de bons plans. Et là, j'ai un nouveau bon plan à vous faire part. C'est un site qui s'appelle Rick Sneakers, pardon. Donc vous avez un choix, vous avez des Yeezy, vous avez des NMB, vous avez des Air Max, vous avez plein de chaussures, etc. Vous avez un large choix. Et ils sont presque tout à moins 50%. Et ça vaut vraiment, vraiment le coup. J'ai reçu, moi, donc j'ai eu l'opportunité d'en recevoir une paire. Je l'ai reçu en quelques jours, j'ai eu aucun de frais en plus ou quoi. La taille est parfaite, genre je les ai portées le jour même, j'ai pas eu d'ampoule, genre vraiment c'est des très bonnes chaussures, genre j'étais choquée, genre j'étais trop contente, mais vraiment. Donc j'ai un code promo, je vous le mettrai en barre d'infos si ça vous intéresse. Voilà, vous avez pu voir mon enthousiasme sur les réseaux sociaux. Voilà, donc les Air Max 2017, c'est des chaussures que genre je les trouve super jolies, mais le prix, sont pas trop jolies quoi. Elles font des petits pieds donc c'est cool, genre je me suis dit voilà, on va faire des gros pieds. J'aime pas normalement les Air Max, je verrai, peut-être que je les prendrai pour faire mon sport aussi parce qu'elles sont genre super confortables. Vous avez là une plateforme genre hyper agréable en fait. À vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait et d'activer. En attendant, je vous fais des très gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.